Et voilà qu'elle se pointe avec son rat. Ah oui, ben oui, mais quand on connaît l'histoire derrière, on comprend mieux. Oui. Je peux vous la raconter. C'est l'histoire, c'était le chef du design. Oui, il a dit, j'en ai ras-le-bol. Alors, il a rassemblé tout le monde, toute son équipe, et il a dit, cette année, vous me faites quelque chose, que personne va rater. Ah oui. Oui. Et je veux pas d'une sacoche avec un simple rabat. Ah non, non, non. Vous me faites un sac pas plus grand que ça. Et puis un sac où on peut, par exemple, transporter tout ce qu'on veut. De la ratatouille, vous me faites ce que vous voulez. Vous ratatinez toutes les affaires qu'on peut quand on part sur un vol, par exemple, avec Ryanair. Et puis, vous ratez pas votre coup sur la pub. Ah non, non, non. Là, je veux vous ratisser tous les meilleurs photographes de Paris. Et puis, vous me faites une campagne au poil. Oui. Et alors là, c'est la Gramzy du marketing. Il a demandé, vous me donnez carte blanche pour le budget, monsieur. Et alors là, il est parti en colère. Il était d'une rage. Oh, incroyable, oui. Alors il l'a traité de rat, il l'a traité de scélérat. Ah, oh. Eh ben Ramona, elle l'a ramené. Elle avait essayé de le défendre. Aussitôt, il l'a ramassé. Alors, pour se calmer, elle est descendue dans la cave de l'entreprise. Oui. Et puis, elle a fait du yoga. Oui. Elle s'est dit, il faut que j'ouvre mes chakras. Et puis, c'est là que un rat lui est monté dessus. Et là, elle a eu l'idée. Je vais faire un sac en forme de rat. Ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout simplement. Oui. Ben, maintenant, c'est plus compréhensible, mais moi, je me pose quand même une question, hein. C'est-à-dire que si on prend le sac et qu'on le met dans le gabarit de Ryanair, vous croyez qu'ils vont accepter la queue qui dépasse?